As-tu vu mon gros bide? Bonjour à tous et à toutes, c'est Soxidor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve de nouveau dans Dark Souls pour l'épisode numéro 25. On est dans le gouffre des abysses, toujours à côté de toutes ces humanités géantes. Pourquoi des humanités, je ne sais pas. Mais... en tout cas, elle recule. Donc finalement, est-ce qu'il y aurait un passage là? Je l'avais dit. J'aurais dû rester sur mon premier, sur ma première espérance, me dire comme ça qu'il n'y avait pas de passage à cet endroit-ci. Maintenant, je suis obligé de refaire toute la route. Ah, oh, les salauds. Un mur illusoire. Mais c'est Sif ça, non? C'est Sif en bébé? Attendez. Il m'a droppé un grand bouclier purificateur. C'est parti pour le boss. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, ouh, c'est la main qui nous avait attrapé. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouh putain, d'accord. C'est ça qu'on doit battre. D'accord. Manus perd des abysses. C'est une impression ou alors il est tout con? Ok, non, j'ai rien dit. Pardonne-moi! What the fuck? J'en ai plus. Ah putain, je vais crever. D'accord, le feu de camp va apparaître là apparemment. Waouh, on l'avait mis à middle life quand même en fait. On l'avait quand même mis un middle life. Donc on l'avait quand même pas mal bien. Quand tu regardes, il a mal. Hein. Et merde, je vais crever. What the fuck? J'étais censé crever là. Avec la chute que je viens de faire. J'étais censé être mort. Le problème c'est son combo là. Il vient de me niquer. J'ai fait le con aussi, bon, j'ai rushé dans le tas, j'aurais peut-être pas dû, mais en fait je lui enlève quand même une barre de vie apparemment par attaque, ou une demi.
Mais merde quoi, allez! Il me lâche pas 2 minutes quand il commence à faire son combo là. Hein. J'aurais pas le temps de réagir que. Que voilà. Et regardez-moi ça, il me saute pas dessus, sauf quand je commence à me régène. Putain, mais lâche-moi 2 minutes! Allez, vas-y, fais-moi ton combo, t'es content, voilà. Non, j'ai plus de fioles! Putain! Bon, ben, on va utiliser 2 humanités pour savoir se prendre une fiole. Pour savoir se prendre plus de fioles. J'aurais eu une fiole, là, j'étais sauvé. Malheureusement, j'en avais plus. Allez, putain, il m'a rebuté. Mais non, mais regardez, voilà, il m'a fait son combo. Et je peux pas l'esquiver, hein. J'ai essayé, j'appuie sur rond. Lâche-moi. Et il fait rien jusqu'au moment où vous vous régénez. Gré, comme ça au moins. Ils sont sûrs que vous arrivez pas à vous régénérer, quoi. Mais laisse-moi boire ma potion, putain! Allez, fais-moi ton combo, allez. Qu'est-ce que tu veux que je l'esquive? Je suis dans un coin. Mais laisse-moi me régénérer 2 minutes, quoi. Mais il me laisse pas une seconde de répit, ce connard. Va te faire foutre, hein. Quoi? Ok, c'est bon. Je fais une pause, j'en peux plus. Il m'énerve de trop, j'en veux plus. Bonjour à tous et à toutes sur Kidor, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je dis ça? Parce que de toute façon, c'est encore l'épisode 25. Mais même ça, allez, mais lâche-moi, 2 minutes. Voilà, je suis de nouveau mort. Je suis de nouveau mort. Il était à middle life, encore une fois. Non, non, ça va me tuer, mais merde quoi, mais merde, hein, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai même pas le temps de boire une potion, là. Ses sorts m'emmerdent, il a que des sorts, ce mec. Il m'en a fait déjà 3 durant le combat, là, et je l'ai même mis à peine à middle life, il me fait 3 sorts, le gars. Il me fait 2 sorts d'affilée, et puis ce sort-là... Non, 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 mais putain, mais j'ai fait une roulade arrière, qu'est-ce que tu me touches? Il est impossible quasiment à esquiver, ce mec, il va beaucoup trop vite. Je peux pas me laisser me tuer. Me tue pas, me tue pas. Non, mais non, mais non, mais non, mais putain, mais lâche-moi 2 minutes. Allez, allez, allez. Oui, 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 et oui, on l'a eu. Enfin, putain de bordel de merde, merci. Âme de Manus. Humanité, 10 humanités, putain. Mais c'est la princesse. D'accord. Je vais me faire totalement dégommer. Je viens de me faire tuer, mais d'une façon totalement rapide. Je mets la dernière flamme. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Repos. Ouh, j'ai 20 fioles d'estus. Waouh. C'est beau ici. Très joli. J'aime bien.
C'est qui lui? What the fuck? D'accord, il y a plein de guerriers en train de me passer devant. Kiln de la première flamme. Ouh. Attends. Il y a l'air d'avoir une route par ici. Ouh. Ah ta putain! Vous n'avez rien vu. Enfin, fiole des sus quand même, putain. Voilà. Éclat de titane bleu, bon ben, je dropperai pas leur arme. Hein. Je sais pas si leur arme elle est dropable, mais oh, des belles quoi. Traverser la fumée, ok. Gwen, chevalier des centres. Ok. Aïe! Mais putain, tu fais mal toi! Je crois que Gwen, je crois que c'est le dernier des boss hein, en fait, c'est ça le souci. Si j'arrive à avoir l'arme là, je me bats avec cette arme là. Hein. Bravo Oxy, tu as réussi à tomber dans le vide. On va aller voir à quoi il ressemble, si on arrive à le toucher ou quoi que ce soit. Par contre la musique elle est belle quoi. D'accord. Ok, bah on va arrêter l'épisode là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Dark Souls. Je vais essayer de dropper la hallebarde du chevalier noir pour le swag, parce que j'aime bien jouer à la hallebarde. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, à plus tard. Allez, à plus tout le monde.